Mar Gorgis est la plus ancienne d'Ankawa, le faubourg chrétien d'Erbil. Située au nord du pays, à 80 km à l'est de Mossoul, Ankawa était autrefois un petit village situé à l'extérieur de la porte nord. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de la ville. Capitale du Kurdistan d'Irak, Erbil et sa région étaient connues pour avoir été au 1er siècle le lieu d'implantation du christianisme, grâce notamment aux apôtres Thaddée, Barthélemy et Thomas. Devenu siège épiscopal, Erbil a ensuite connu l'islam avec la conquête musulmane et le califat abbasside dès la fin du 7e siècle. Il faut attendre le 21e siècle pour qu'Erbil et surtout Ankawa redeviennent des pôles chrétiens de première importance. L'église Mar Gorgis est située dans le nord d'Ankawa, en face d'un tel, une colline qui date de l'époque assyrienne. À l'origine, Mar Gorgis faisait partie de l'église assyrienne de l'Orient. Elle devient ensuite chaldéenne, rattachée à Rome. Elle est dédiée au saint patron le plus vénéré de l'Orient chrétien et protecteur d'Ankawa. L'église actuelle daterait du 19e siècle. Construite sur un modèle de basilique assyrienne classique, elle mesure 30 mètres de long et 15 de large. Les matériaux utilisés sont très simples, des pierres et des briques enduites à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle est surmontée d'un dôme rudimentaire et hémisphérique et d'une tour clocher qui prolonge le bas-côté oriental. Une fois passé le portail d'enceinte, sur la droite se trouve une réplique de la grotte de Lourdes. Lors de la dernière rénovation, d'anciennes pierres tombales de prêtres ont été installées sur le mur de la façade est. L'élément le plus précieux et remarquable se trouve à l'intérieur, dans une des pièces attenantes au fond de l'église. Cette tablette gravée serait la pierre tombale d'un prêtre prénommé Hormuzd, qui aurait été enterré en 925. Elle a été retrouvée lors de fouilles archéologiques réalisées en 1995 dans le Martyrium. Les inscriptions sur la pierre sont en langue syriaque et stranghello. بما أنه أبونا هرمزد دفن في هذه الكنيسة سنة 925 هذا دليل بأنه كان أكو قبل آباء يعني قبل آباء وهذه الكنيسة كانت موجودة قبل هذا التاريخ هذا دليل أنه هاي الكنيسة كنيسة مار غورغيس هي تاريخها يعود أقدم من 1100 سنة ميلادية طبعا من هذا الحجر نستنتج بأنه آبائنا وأجدادنا كانوا يعني مسيحيين ويؤمنون بالدين المسيحي منذ بداية العصور المسيحية. L'église a été reconstruite et rénovée plusieurs fois. Une plaque de marbre installée sur le bas-côté gauche fait mémoire des dernières rénovations. On y voit que l'église aurait été rebâtie en 1857 et rénovée plusieurs fois. L'église actuelle a été refaite en 1996. La voûte de l'église à trois nefs est portée par un ensemble de colonnes très épaisses d'un mètre de diamètre. Le chœur est séparé de la nef par une large porte royale qui occupe toute la largeur. Au-dessus de l'autel, on remarque la présence d'une croix nestorienne ou croix d'Orient. هذا الصليب صليب المشرق لا يوجد عليه جسد المسيح يعني تم يعني جسد لا يوجد عليه جسد المسيح كمصلوب طبعا الهدف من هذا او الفكره هي بانه المسيح قام وصعد الى السماء وموت وقيامه المسيح هي أساس الدين المسيحي الموجود في العالم. Pour les fidèles,
cette église est au cœur de leur vie spirituelle. Je suis allé à la maison de la maison.